Bonjour, bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nelscrap. Je reviens vers vous cette fois-ci pour vous montrer le tutoriel de mon agenda d'anniversaire que j'ai offert à mes coccinelles. Dans lequel, effectivement, alors là, j'ai commencé à faire le mois de janvier. Je ne suis pas totalement satisfaite de ma déco du mois de janvier, mais bon, on fera mieux pour février. Personnellement, j'ai rajouté déjà les prénoms de mes amis et de ma famille. Comme ça, je n'oublierai personne, ni mes coccinelles, ni mes amis, ni ma famille. Voilà, voilà. Et donc, chaque mois, comme je vous l'avais expliqué, toutes mes coccinelles, puisqu'elles ont toutes reçu cet agenda d'anniversaire avec les anniversaires de toutes les coccinelles de l'équipe, eh bien, elles pourront s'envoyer des cartes d'anniversaire si elles le souhaitent. Et également, donc, décorer le mois. Il y en a eu 10 qui ont participé sur le mois de janvier. Le 7 février, juste avant notre live, je ferai un tirage au sort avec elles. Et on verra laquelle gagnera le set de tampons. Et puis, même chose en février et chaque mois de l'année. J'ai décoré personnellement le devant de mon agenda d'anniversaire avec ces mignonnes petites poulettes. Pour les plus anciennes d'entre vous qui commandent chez Stampin' Up! Déjà depuis quelques temps, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait eu à Celebration, ça doit bien remonter à 3 ans en arrière je pense, il y avait en cadeau ce set de tampons. Oui, celui-ci. Vous pouvez le commander à partir de maintenant, ça y est, c'est disponible. Ils nous ont sorti les découpes qui vont avec le set de tampons. Et il y a en plus tout ça comme découpe, puis même des petites graines pour manger. Ce lot qui s'appelle Mon Poussin avec les moins 10% de remise. Mais vous pouvez acheter le set de tampons séparément ou le set de poissons séparément. Ça, c'est comme vous le souhaitez. Et ils ont sorti chez Stampin' Up! Parce qu'ils savent qu'on aime beaucoup les petites poulettes. Un second lot qui s'appelle Salut Poulette. Dans lequel on retrouve également donc un set de tampons et un set de poinçons. Que j'ai également utilisé dans ma déco. Notamment ici, cette guirlande. Le petit poussin. Et puis la poule. Ça, vous pouvez d'ores et déjà les commander depuis mon blog. Je vous mettrai les liens pour pouvoir passer commande. Dans ma déco ici, j'ai également utilisé ce lot avec ce superbe poinçon d'angle ici. Et puis donc ces fleurs. Mais bon, j'avais envie de vous le montrer. Après, si on veut faire cette déco de poulette, on peut très bien mettre le poulailler. On n'est pas obligé d'utiliser un autre lot pour cela. Moi, je les ai, je vous les montre. Comme ça, ça vous permet de voir que ça existe si un jour vous avez une idée pour vous en servir. Et j'aurais très bien pu mettre ici ces petites fleurs à la place de ce grand feuillage. J'ai trouvé que ce fait-on ensemble qu'on retrouve ici en découpe était parfaitement adapté pour ce calendrier d'anniversaire, puisqu'évidemment les anniversaires on les fête ensemble. On va donc réaliser la structure ensemble. Est-ce que vous souhaitez que je vous montre comment j'ai fait la déco, ou est-ce que simplement avec la photo sur le blog vous pourrez la reproduire? Dites-moi. Et puis, je vais vous montrer, parce qu'on n'est pas loin de la Saint-Valentin, même si moi, je ne l'ai pas réalisé pour la Saint-Valentin, cette structure-là, je vous l'avais dit, peut également servir pour un mini-album à poser sur un meuble dans son séjour, comme ceci. Soit pour y mettre des photos d'amoureux, soit, pour ce qui me concerne, y mettre ma petite amoureuse à moi, qui est ma petite fille. Là, pour l'instant, j'ai rajouté le cœur provisoirement, mais je vais tamponner dessus quelque chose du goût ma première année, puisqu'il y a 12 pages dans ce mini album que je vais illustrer avec des photos des 12 premiers mois de la première année de ma petite fille. Là, j'ai commencé les premières pages. Ici, c'était vraiment une photo quand elle était toute petite, elle avait 10 jours. C'était des photos qu'on avait faites chez le photographe avec son papa, sa maman, sa grand-mère et puis sa tante, donc ma fille, mon fils et ma fille. Ensuite,
Ça, j'adore. Tu fais fondre mon cœur. Trop bien. C'est dans le set de tampons où il y a les glaces. Bien sûr, ce cœur-là, il est superbe. Alors, vous retrouvez ces sets de tampons et de poinçons dans le mini-catalogue qui vient de sortir. Cette page-là, c'était son premier mois. Je vais rajouter une petite étiquette avec mon premier mois anniversaire, quelque chose comme ça, je pense. Ici, donc, c'est une photo de son premier mois. Je pense qu'ici, je vais mettre la date du jour où la photo a été prise. Ici, ben, vous l'aviez vu sur mon Facebook. C'était donc pour le second mois. C'est ma mini coccinelle. Ici, c'est toujours le second mois. Je n'ai pas encore terminé, même si on en est au huitième mois, j'aurais dû déjà aller jusqu'au huitième mois, mais je vais tâcher de trouver un peu du temps pour le faire. Voilà, donc ça c'est un mini-album. Mais l'avantage c'est qu'effectivement, il est bien stable, on peut le poser sur un meuble, et puis au gré de ses humeurs, on met une photo ou une autre. En plus, ça fera un souvenir pour la petite quand elle sera grande. La structure est exactement la même que ce que je vais vous montrer là. La déco, une fois que vous avez la structure et en fonction des photos que vous allez mettre dedans, vous apportez les décos que vous voulez. À l'heure de la Saint-Valentin, si c'est des photos d'amoureux que vous mettez dedans, on a ce magnifique cœur. C'est splendide, quoi. Vraiment, enfin, c'est magnifique. Et puis toutes ces séries de cœurs, enfin, c'est vraiment fabuleux. D'ailleurs, c'est un peu le fil conducteur aussi que j'ai choisi de mettre dans ce mini, avec des petits cœurs un peu partout, sur chacune des pages. Je voulais vraiment qu'on retrouve des cœurs. Ici, vous voyez, c'est un cœur en fleurs. Donc là, il y a les petits cœurs ici. J'adore aussi ces fleurs-là. Je les trouve superbes. Avec les points embossés, là, je trouve ça superbe. Les petits cœurs, ben, en fait, ce sont les petits cœurs d'ici que j'ai mis au centre de mes fleurs. Enfin, bon, bref, on peut s'amuser, hein. Franchement, on peut s'amuser. Vraiment, on peut s'amuser. Voilà. Vous me direz ce que vous pensez de mon mini-album pour ma petite fille. Pour cet agenda d'anniversaire, nous allons avoir besoin de deux rectangles de carton de 18 par 12 cm. Ce carton, c'est ce carton-là que j'ai découpé pour les blocs de papier Stampin' Up. On a soit ces cartons, soit des cartons un peu plus épais. Là, c'est ces cartons-là que j'ai utilisés, ceux qui sont un peu plus fins. Ça permet effectivement de s'en servir. Ensuite, vous aurez besoin de deux rectangles de 21 par 14,85. En fait, c'est un A4 que j'ai plié en deux à la moitié, c'est-à-dire à 14,85. Ensuite, vous aurez besoin d'un rectangle de 18 cm par 13 que l'on va marquer ici à 1,5 cm et ici à 1,5 cm et là à 6,5 cm à la moitié. Ici, on a 13, donc la moitié, c'est 6,5. On va avoir besoin d'un autre rectangle de papier cartonné de 18 par 12 cette fois. Donc j'ai choisi effectivement mon papier cartonné qui s'harmonise avec mon papier design. Le papier design, eh bien, c'est justement celui que je viens de vous montrer. C'est celui que vous pouvez avoir en cadeau Celebration à partir de toute commande de 60 euros. Voici tous les modèles. Côté fil et côté face. Et j'ai choisi de prendre celui-là parce que comme je voulais y mettre mes petites poulettes, et bien comme ça, elles sont déjà en train de gambader dans un champ de fleurs. Donc il va nous falloir trois rectangles de papier design de 17,5 par 11,5 cm de large. Un que l'on va utiliser pour mettre ici. Méfiez-vous si vous avez un sens à votre papier de le découper dans le bon sens. Et puis l'autre, puisqu'en fait sur ma page, je réussis à découper les trois. Je vais découper déjà à 17,5. Je vais couper à 11,5 et à 11,5. Et dans cette bande-là qui va me rester, je vais couper 17,5, 11,5. Forcément, elle est à l'envers, hein, par rapport aux autres. Mais ce n'est pas grave puisque c'est l'arrière que je vais utiliser, qui est en harmonie avec mon papier. Et ça va être pour venir les coller ici à l'intérieur.
Et pour finir, vous aurez également besoin de 6 feuilles A4 de papier cartonné blanc simple. Vous savez que Stampin' Up a dû changer de fournisseur pour le papier blanc, puisque l'ancien fournisseur, avec les problèmes sanitaires que l'on connaît depuis un an maintenant, a fait faillite. Le papier s'appelle maintenant papier blanc simple et bien sûr Stampin' Up a fait tous les tests pour que la qualité de ce papier soit la même que celle du papier murmure blanc que l'on connaissait. Vous pourrez récupérer sur l'article de mon blog associé à cette vidéo le calendrier d'anniversaire au format PDF pour une année. Vous remarquerez que j'ai volontairement créé ce calendrier sans les jours de semaine, pour qu'il soit perpétuel. Bien sûr, je n'ai pas indiqué les prénoms de mes coccinelles sur le calendrier que vous pourrez récupérer sur mon blog. Il est vierge. Il va se présenter de cette façon-là sur un papier A4. Et pour découper, vous devrez découper à partir du bord à 17,5 et à partir du haut à 11,5. Et là, on va découper à 17,5 à partir du bord là et à partir du bas 11,5. Ça pour les 6 pages. Et vous aurez donc vos 12 pages pour l'année. Nous allons maintenant commencer à réaliser notre agenda d'anniversaire. Et pour cela, je vais commencer par prendre un rectangle du carton fin que l'on trouve donc à la fin, notamment des papiers design des cadeaux Celebration. Vous savez que Celebration d'ailleurs se termine à la fin du mois de février. Attention, attention, ne laissez pas passer votre chance de gagner des cadeaux. Et on va coller ce carton, il a déjà un peu souffert celui-ci, au milieu de notre papier cartonné. Donc là, moi, en l'occurrence, j'ai pris le papier cartonné Beaubourdon. Je laisse environ 1,5 cm de chaque côté. Et je viens avec ma bille à gaufrer de l'outil touche-à-tout, gaufrer tout autour. Alors, on peut même le faire sur un tapis de mousse, sans trop appuyer dans ce cas-là, pour ne pas percer le carton non plus. Il suffit juste de le marquer. Vous voyez, comme ceci. On y va un petit peu doucement si on est sur un tapis de mousse. On peut y aller un peu plus fort si on est sur du dur. Une fois que l'on a marqué les plis, on vient les appuyer contre le carton blanc. On appuie bien avec le plioir en os. Comme ceci. Ensuite, on prend une paire de ciseaux et on va venir découper les angles. Je laisse environ un petit millimètre, un millimètre et demi par rapport à l'angle ici. Et ensuite, je viens rabattre ces onglets ici sur mon carton. Je mets bien de la colle ici sur le bord pour qu'on ait bien la tranche qui soit fixée. Et je viens appuyer, hop, que ça nous fasse un joli angle ici. Donc je le creuse ici. Je fais pareil en face. Comme ça, on a deux très beaux angles ici. On a donc maintenant les deux cartons qui vont faire le chevalet de notre agenda. Je vais prendre ensuite le rectangle de 13 par 18 avec les lignes de marquage que l'on a faites. Je vous rappelle,
1,5 de ce côté, 1,5 de ce côté et 6,5 depuis un côté ou de l'autre puisque c'est le milieu. Et là, je vais appuyer mes plis. Le milieu en pli vallée et les deux autres en pli montagne. Je prends mes ciseaux. Je biaise ici sur les onglets. Et on va pouvoir venir coller cette partie ici, comme ceci et comme cela. Je mets de la colle sur mon onglet. Et je viens coller cette partie bord à bord. Je vous montre bien. De cette façon. Et je fais la même chose de l'autre côté. Vous allez prendre le papier design que l'on va venir coller ici à l'intérieur. Avant, évidemment, je fais mes tranches. Soit vous les faites avec un Stampin'Write, soit vous les faites avec un doigt de mousse. Pour ma part, je vais prendre le Stampin'Write. Et je vais venir coller ceci. Là, donc, on a le chevalet qui va se tenir comme ceci, puisqu'en haut, il va être maintenu par la spirale. On va prendre notre carte qui fait 18 par 12. On va venir coller dessus le troisième et dernier papier design, pour lequel je vais également faire la tranche. Je vais perforer ces trois morceaux-là en haut. Donc ici, je fais mes perforations. Je vais faire les perforations ici et là. Et ensuite, je viendrai tout fixer. J'ai également perforé les pages de mon calendrier. Et je viendrai tout fixer sur la spirale, comme ceci. Voilà, pour finir, j'ai donc assemblé la page de devant, le calendrier et notre chevalet avec une spirale. J'ai utilisé pour cela un perforolieur. Tout le monde n'a pas forcément ça chez soi. Il en existe à tous les prix. Peut-être est-il possible d'utiliser des anneaux. On pourrait mettre 3 ou 4 anneaux. Voilà, le projet est donc terminé. Ensuite, on peut passer à la décoration. Et la décoration, donc comme je l'ai fait là, c'est avec cette petite déco sympa, de petites poules dans le champ. J'ai prévu de faire une carte avec ces deux lots. Vous aurez ça prochainement en tuto. J'espère que ces projets vous auront plu. Vous pourrez faire soit un mini album à laisser sur un meuble, soit cet agenda d'anniversaire qui vous permettra de n'oublier les anniversaires de personne. J'en ai donc un de rap. Si on profitait de la période Celebration pour accueillir une nouvelle coccinelle dans l'équipe, et ben voilà, votre agenda d'anniversaire et tout prêt. Mais attention, Celebration se termine fin février. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Prenez soin de vous. Au revoir.